Bonjour Romingo, alcoolique anonyme. Ouais, non, on est des gamers anonymes. Gamers alcooliques, bref. Non, je vais osciller tout d'un coup là. Il faut le boîtier pro. Pourquoi de quoi tu parles, Zuma? Je suis le Bastien. Oui, 2B forcément. J'allais dire vive Ajaccio, mais pas foutre la, les boules. C'est dommage, les tournois en fait ils explosent après. Ah, j'ai vu. Mais c'est pas le problème. Enfin, même moi je savais pas, hein. Je fais la même erreur que toi. Un temps pour être malade, ça part de la part de Amandine. Ah, ouais, oui, très. Mais d'ailleurs, toutes les personnes que je côtoie, dans le travail, ma famille, tout, sont tous malades. Donc ça me fait très très peur par rapport à ma cheat, sachant que. Elle n'a pas encore eu de forte maladie, mis à part un petit rhume vite fait et tout. Et ça me fait flipper, j'ai pas envie de la contaminer ou quoi. Sachant que tout le monde s'en bat les couilles en fait. Ils te toussent dessus, ils t'éternuent dessus, genre au calme. Oh, ils te touchent et même quand ils éternuent, je lave pas les mains. Voilà, c'est très important de se laver les mains. C'est... Même, je sais pas, tu touches n'importe. Enfin, il faut avoir. Ou acheter les trucs d'hygiène. Tu sais, les trucs dans les hôpitaux. Moi, je suis terpé maniaque en fait. Y'a personne qui le sait, mais je suis très 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 maniaque. Et genre tout ce qui est lavage de main, une personne qui éternue à côté de moi, je me tourne, genre je respire pas, genre je suis un psychopathe. Non, mais t'as raison, pas. Mieux vaut ça. Oui, non, ce qu'il dit, c'est de ça que je parlais, je suis en train de voir avec Bouygues pour qu'il me fournisse un boîtier 4G illimité, ou même s'il faut le payer, je m'en fous, même s'il faut payer 200 euros, je peux me le permettre, c'est con, c'est beaucoup, je vais pas dire que c'est de l'argent gâché, parce que c'est de l'argent qui était gagné grâce à YouTube, donc je me dis, c'est pour YouTube, pour poster des vidéos plus vite, pour faire des lives, donc... J'ai vu avec le mec, je le verrai mardi à la PAG Game Week. Si vous payez 200 pour avoir une bonne connexion, c'est pas grave, je ferai ce qu'il faut pour. Voilà. Même pour poster des vidéos. Salut Ebola officiel. Vous parlez de quoi? C'est chaud par contre ton pseudo, mon frère. J'ai pas compris. C'est un délire ou. Ah, moi j'aime pas tous ces trucs. Je vois de quoi tu parles, non. Moi, ça serait moi. C'est ça le mec. Je. C'est très très sale ce que tu as marqué, après je pense que tu es pas méchant ou quoi que ce soit, mais j'ai pas compris pourquoi tu les gens font des trucs comme ça. Mon doigt me titille. T'es parano, para, mort de rire. Ouais, un petit peu, Christo. Ouais, mais c'est pas bien de mettre un pseudo comme ça. Ouais, mais c'est un truc malsain, frère, ton pseudo. Comme si tu mettais SIDA officiel ou n'importe quoi. C'est surtout que c'est grave cette maladie et ouais, tout. Il y a des gens qui en meurent et tout, et demain ça peut être toi, hein. C'est con, mais ça peut être n'importe qui. Ouais, on te le souhaite pas, mec, mais... non, clairement. Mais oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est chaud, ouais. Il y a des choses sur lesquelles il faut pas surfer. Ah, il veut pas avancer. Il te faut le boîtier pro. Oui, non, mais le boîtier pro, je vais leur dire. Mais après, il faut juste que je me mette en valeur sur mon partenariat, c'est comme tout. Je vais... alors, la fibre, c'est ce qu'il y a de mieux. La fibre, c'est numéro 1. Le numéro 2, c'est si t'as pas besoin une connexion 4G+, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, t'as la DSL, voilà. Mais la fibre, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, hein. c'est perfect. Alors, 4G, c'est bien, c'est juste que c'est pas stable. Je t'arrête tout de suite, Ebola, si tu trouves que... Que ton pseudo est un pseudo normal, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans ton cerveau, mon frère. Je suis désolé de te dire ça, hein, je te connais pas, tu as vu, je suis pas là à juger les gens ou à parler mal ou quoi que ce soit. Hein. Surtout que je te connais pas, encore une fois. Tu peux être une personne très très brave et tout, qui a voulu juste t'amuser sur un pseudo. Mais franchement, c'est malsain, frère. Je trouve ça malsain. Après, si tu trouves que ton pseudo est normal, c'est qu'il y a un truc qui cloche, gros. À un moment, je sais pas. Après, je vais pas en débattre pendant 800 ans. Écoute, moi j'ai dit ce que je pensais sur le délire. Ouh là là, ça brûle vif les gens. J'ai complètement oublié d'enlever la webcam, du coup, pour la petite cinématique. Bon, je sens que ça va être hard. Je sens que ça va être très très hard. Bon, ça va, si mes potos m'aident, ça va être plus facile. Merci en tout cas à toutes les personnes qui follow, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui follow. Merci beaucoup. Merci Jonathan encore. Ah,
Passer une soirée backup. Exactement, annule. Exactement. De quoi? Non, annule, il a fait quelque chose qui est totalement vrai, et même moi je suis porté par ça. Il a écrit « C'est devenu grave depuis que ça arrive en Europe et aux USA. Avant, tout le monde s'en foutait. » Et je suis totalement d'accord. Et je suis tout à fait vrai avec toi. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est on s'en fout tant que ça ne nous arrive pas à nous. C'est ça. C'est un peu du... C'est un peu égoïste, mais c'est comme ça. Mais quand même, moi, je parlais tout à l'heure pour les clowns, c'est pareil. C'est exactement pareil, frère. Tu vois, je te jure. C'est comme tout. Par exemple, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi. Tu t'en fous complètement si ça arrive à quelqu'un de ta famille. Ça va te toucher, alors c'est comme ça, mais... Ah tu restes, excuse-moi, backtop, je croyais que tu avais marqué que je partais. C'est pas pour moi, ou t'as dû dire au revoir à quelqu'un, non, non. Ou... Ouais, il a dû dire, genre à Nico, tiens, je me barre du jeu, ou je sais pas, il voulait quelque chose. Ah d'accord, ok. C'est très gentil à toi, C'est très gentil à toi, mec. Franchement, j'apprécie ton geste, mais c'est même pour toi, hein, mec. Hein. Parce que, genre, c'est. Parce que tous les hommes sont morts. Ok. C'est très sympa de ta part. T'es pas con du tout, tu vois. Je pense que tu as voulu rigoler sur un truc, mais c'est le truc qu'il fallait pas rigoler, en fait, je pense, gros. Ça prend 5 minutes, en plus. Bah, j'ai pas mon mentir, je suis totalement déconcentré là. Non, non, mais joue, mon petit agneau. Je suis totalement concentré, je fais de la merde. Et je vais me faire des zingues par des hommes tête de bic là. J'ai envie de mettre mes émo cochons. Ah oui, tu peux. Je sais pas si je peux les mettre mes émo. Ouais, bon, comment on met des émo? Les émoticônes? Ouais. J'essaie d'en mettre pour voir comment ça faisait. Tu sais comment on fait? Faut mettre un dièse, non, avant. Pour les émoticônes? Ouais. Faut mettre un... Non, c'est en fait, c'est comment dire... t'as marqué tes trucs, t'as déjà rentré des émoticônes dans le truc? Ouais, j'ai juste essayé juste pour voir comment ils validaient, comment ça sortait. Maintenant, t'as marqué quoi en mot principal? Coachy? J'ai mis Coachy, ouais. Et après, c'était en minuscule? J'ai mis en minuscule, il me semble. Ouais, ben tu écris Coachy, minuscule, et après t'écris ton mot. En majuscule ou en minuscule, ou comment tu... Attends, je sais plus comment je l'ai écrit. Attends, je vais vérifier. J'avais juste voulu tester. En fait, ils sont super rapides pour valider les trucs. Hein. Ouais, mais tu une journée. Ah oui, c'est. Ah non, c'est qu'un R majuscule. Ah voilà. Bah tiens, moi aussi, maintenant, je pourrais mettre RIP de mon truc. Ah, c'est cool, frère. Il a l'air stylé. Ah, mais tu l'as fait du coup? Non, juste tester dans certains comme ça, en attendant qu'on le fasse ensemble. D'accord. Je voulais juste voir. Bah, en fait, j'ai pris un cochon qui l'est déjà fait, toi. Merci, je sais pas comment tu trouves ça, mais. Ça a l'air stylé, il est stylé. Ouais, en fait, c'est un cochon qui est découpé, j'ai mis RIP, juste pour voir comment ça faisait. J'ai mis ma tête, en fait. Attends. Putain, j'ai du mal là. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir. J'essaie de me concentrer sur le chat et tout. Non, vas-y, je vais te poser les questions. Il me dégoûte là, il commence à m'énerver là, quoi. Ah, tiens, je peux mettre même ma tête sur ton live maintenant, c'est bien. Ça me gonflait là. Non, faut être sub sur mon truc. C'est pour ça en fait, maintenant je comprends pourquoi il y avait une invasion de bird sur mon live. Avec mes petits filous de Gervais. Moi, c'est bien. Ils font quoi Putain, ah, ça, j'ai galéré un de cul, de pédale là. En fait, ils prennent à plusieurs, c'est ça qui est chiant. Mais le truc, c'est qu'en plus, ils meurent jamais quoi. Tu leur mets 800 coups, ils meurent pas les mecs. Ah, je sais, il y avait un truc à faire par rapport à eux. Ah, bordel. T'es un type de... Non mais c'est bon, c'est juste qu'ils mettent 100 ans à mourir quoi, mec. Et quand ils se prennent à 3, qu'ils te font à chaque fois 3 attaques différentes... Oui, je sais, surtout s'ils te font celle qui est imparable et tout. Ouais. Non, je... Ah, du coup, ils brûlent tous mes potes quoi, je suis dans la merde. Ouais, mais c'est pas obligé qu'ils soient tous survivants. Oui, mais bon, ça rend fou quand même. Ouais. Surtout que j'ai plus beaucoup de vie là. Voilà, et là ils sont 800 quoi. Ah oui, une très bonne question de AZT. Finalement, c'est qui le dernier sub? Mais le truc c'est que en fait j'ai eu un problème. Putain, ok, j'arrive pas. Non, ce jeu ne se prête pas au live en fait. Hein, sérieusement les gars. Non, mais prends. Joue. J'arrive pas en fait à parler. Genre. C'est encore pire qu'un FPS le bordel, sachant que. Le côté smack, t'as pas compris, Stan. En fait, c'est dans la photo, je fais une sorte de bisou. Et smack, ça veut dire bisou.
Mais ça c'était juste provisoire, le temps que quelque part on se prenne. Essaye de voir pour faire les emoticons. Ouais. Voilà. Là c'était juste pour en avoir, parce que si les gens ils sont seuls, ils ont pas d'icône, ça fait un peu pitié. Mais on. C'est quoi que j'étais en train de me dire, gros, juste avant que. Échec de la mission, ben, j'ai pas compris. Trop de Romains sont morts. Bah si, oui, tu vois. Non, mais prends ton temps. Moi je dis, je vais répondre aux gens et tout. Non, mais c'est quoi que tu. Oui. J'étais en train de me dire un truc juste avant que j'arrivais pas à parler en fait. Améliore ta capacité, mais j'ai tout amélioré, je suis à fond là. Linux. Ah, mais ça, t'as des moments qui sont toujours plus durs. Hein. C'est... Si tu finirais le jeu sans mourir, ça serait trop easy. Y'a pas des Kalashnikov ou des trucs comme ça là? Non. Non. Ah, mais moi, c'est ce moment là que j'avais kiffé parce que tu vois, c'était un peu plus difficile. Ils sont moins disciplinés, c'est cool. C'est ça qui est plus intéressant. Ouais, voilà, bah Zuma, ouais, t'as quelque chose, c'est bien. T'as pas utilisé de Fury depuis le début, c'est pour ça que c'est difficile. C'est vrai que. Je sais même pas comment on fait. Regarde dans les. Ils disent appuie sur Q, mais genre j'appuie sur Q, ça fait rien. C'est sûr que c'est pas une autre touche, ou essayer d'en mettre une touche. Enfin, c'est con, hein, mais. C'est vrai que j'ai pas vu de. Et quand t'as la Fury, là, tu t'arraches tout. Hein. Ah. Ah ouais? Ah oui, oui, t'as. Par exemple, les trois mecs contre qui tu galérais, tu faisais ta furie, tu finissais ta furie, tu les tuais quoi. Et en plus, ça remonte assez vite quand tu fais des combos et tout donc. Améliorer, sprint, R, Q, puissance de rage, ils me disent Q quoi. Comment de modifier? Hein? J'ai rien fait. Alors, ouais, parce que là, en fait, ouais, ta rage elle est maximum vu que tout est blanc, enfin le truc blanc il est à fond. Ouais. D'accord. Je sais pas, ils me disent Q, puissance de rage. Attends, je suis en train de regarder. C'est où ça? Puissance de rage, je vois pas. C'est la commande là. Ah oui, voilà. Bah, essaie de mettre une autre touche, si c'est possible. Si t'en as une qui te va bien. Mais le truc, c'est que je sais pas comment ça marche ce système. À chaque fois, c'est nul ce truc. Ils me disent comment de modifier alors que je fais double clic dessus, tu vois, je sais pas. Là, ils me disent delete. Oui, après, appuie sur une autre touche pour voir. Peut-être que le Q, voilà, le coty, le Q, voilà, ils veulent pas. Je sais pas moi. C'est... Normalement, t'appuies après, ça te met une rage. Non, ils veulent pas changer la touche, c'est ouf. J'appuie sur C, je sais pas comment on marche le système en fait. En fait, t'appuies une fois et logiquement, tu mets une touche. Même, il faut sélectionner le truc que tu veux. Non, mais si tu double-cliques par exemple sur la puissance de rage, le Q là, tu double-cliques et t'appuies sur une touche, normalement, ça te le remplace. Je sais pas, frère. Par exemple. Je connais pas. Salut Mini. Clavier Riken, peut-être. Donc le X c'est quoi? C'est le A. Probablement. Allez, on va tester. Ah oui, c'est le A. Et ben voilà. Et pourquoi ils ont mis un clavier Riken? C'est con. Salut Mini, pardon. Salut, pardon. What the fuck? Ok, merci pour le conseil les gars, sachant que je pouvais pas changer les touches. Ok, c'est cool. Ouais, tu vois la rage là, tu... Ouais, le problème c'est que je suis quand même mort comme une merde. Quoi, mes potes sont trop morts quoi. Ouais, non mais pour le prochain c'est bon. Ah, ça a vachement aidé ce truc là du coup là. Tu peux le faire tout le temps? Bah tu peux le faire dès que ta barre elle est. Dès que ta barre blanche elle est à fond. T'es en dessous de ta barre d'énergie, t'as une barre blanche. Ah ouais, c'est ça, ta barre de vie. Ah c'est un truc de ouf, du coup je redécouvre le jeu quoi, tu sais. Ah oui non, c'est vrai, depuis le début j'ai pas tilté. Salut Juanito toi. Mais échec de l'objectif encore, mais il se moque de moi ou quoi? Pour ce genre de jeu, il ne vaut pas mieux jouer à la manette, je n'ai aucune idée staff. Sincèrement, ouais, j'ai lancé le jeu, j'ai pas calculé gros. Ouais, c'est vrai que tu toques la manette. J'ai pas calculé, et c'est pas gênant, regarde mec, hein, ça m'a pas gêné jusqu'à présent. Et ça me gêne pas encore maintenant, le problème c'est que... Bordel de cul quoi.
Ouais, comme l'a dit Juan Nito, c'est vrai que tu devrais peut-être plus attaquer le mec qui attaque le... avec la torche. Ouais, mais je sais pas où il est. Ah, il est là-bas, ok. En fait, à chaque fois, t'auras un nouveau et en fait, voilà, c'est... Vite, vite. Je voyais pas qu'il y avait un mec... Merci en tout cas du film. Je t'en prie. Ouais, je sais où ça m'a tranquille, quoi. Salito. Et à bon, et à Bambi. Et à toutes les personnes qui ont peut-être dit... Salut, pas de chichi. À demain, bisous, je t'embrasse. Bisous, pas de chier. Oh, merde. Yeah. J'ai tout fait là, non, c'est pas grave. J'ai l'impression que je peux le spammer, truc de merde là. Non, c'est juste que t'as tellement upgradé ton personnage que voilà, il est comme ça. Au début, t'avais, quand tu faisais ta furie, genre tu 5 secondes, c'était fini. Là, tu peux l'enchaîner beaucoup de fois, ta furie. En fait, t'as 5. Ah, y'a encore le mec, mais non, mais qu'est-ce que tu chies, le coup de poum. Ah, il revient, logiquement, si tu tues le mec, il y en a un autre qui reprend sa place et ainsi de suite. Mamma mia. Ah, oh, c'est rageant ça. En attendant que le. C'est ça, mon manque de rage, quoi. Ouais. En fait, dès que t'en tues un, genre t'as peut-être 15, 20 secondes ou 30 secondes, pendant ce temps tu lui défonces les autres. Mais je comprends après... pas, en fait, le truc c'est qu'il y a mes potes avec moi, j'ai l'impression que tu te dégages. Ah non, mais ils s'en foutent. Parce que c'est un peu le type de personnage qui est là, toi. C'est tout beau, c'est tout rose. Bah, attendez, je trace. Je suis directement là où on pourrait se trouver cette pute légendaire. Je m'en fous. Où est l'ami? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Toi, par contre, je m'en fous pas, je vais te découper la rondelle. Où sont tes cousines? Où sont tes cousines? Il y en a encore, hein? Jonathan, règle numéro 1, je rage si je veux. Putain, si vous croyez que je rage là, alors vous allez voir ce que ça va être sur Lord of the Fallen. Hein. Ouais. Dis-toi que Lord of the Fallen, le truc le plus simple, c'est ça. Alors tu vas vite déguster, je crois. Ouais, c'est vrai que par contre, attention, on regarde bien l'écran parce que des fois t'as un aigle qui dit quand il y a le mec qui arrive. Ouais, j'ai vu ça en fait, je viens de le capter maintenant en fait. En fait, finalement, je vois pas trop le jeu, je vois plus le chat. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est exactement ça, en fait. Depuis tout à l'heure, je capte pas trop. Je suis tellement focus sur un mob, en fait, que... Ah, il y en a encore un, mais putain, il vient toutes les 4 secondes, oh. Oui, je vais très bien. J'ai la dalle, c'est tout. Merci de ton souci. J'espère un petit pain d'épices. Merci en tout cas l'équipe pour le conseil. Vous auriez pu prévenir avant, genre le mec. Ah le bâtard. Cool. Bon, c'est bon. Mode furie, ça rigole pas. Un truc de ouf. Franchement, je viens de découvrir ça après 4 heures de jeu, quoi. Sachant que depuis tout à l'heure, j'appuie sur X, sur Q comme je devais faire en fait. Et ouais, comme une salope, si. Donc ils m'ont conseillé de le faire et le truc c'est que ça marchait pas. Donc en fait c'était un clavier américain, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Mais je suis tellement focus que... C'est pas grave, Mouchou, t'as dit? Oui. Quand je dis ça, je dis tout doucement pour pas que ça fasse trop... Salut Stunt, bonne nuit. À demain. Salut Stunt, passez une bonne soirée. Merci de passer sur le stream. Côté, je mange... Non mais taisez-vous, enfant insolent. C'est bon là, dans ma faim. En fait, c'est que je mange pas dans ma chambre. C'est ça avec. Ah, tiens. Il y a des lives sur Just Dance le week-end. Move, ton body. Move, ton body. Oh putain, un boss. Oh, putain. Quoi?
Attends, attends, ça va pas. Y'a pas un arbre géant qui va se battre contre moi là, arrêtez. Ou il va tomber? Oh, c'est très 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 beau. Oh putain! Ça se passe comment? Ça va être que de l'esquive? Ce qui va être bien avec ce mec. Oh là là, mais c'est magnifique, frère. Oh, je suis choqué là. L'environnement, le boss, l'arène, choquant. Très très joli. Allez, viens, Glotte. C'est très 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 joli. Je sais pas, vous, le rendu que ça donne à l'écran, mais c'est impressionnant, hein, franchement. GG Crytek. c'est très très beau. Hein. Là, je suis choqué. Hein. C'est la première phase du jeu où. Ouh, il a mis un coup aussi, ça m'a choqué là. Ouais, mon frère, oh mon frère, attends, j'ai esquivé deux fois là. Là, tu pars en couille. Qu'est-ce qu'il y a, Glotte? Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah non, y'a pas de soucis, mec. Non, mais je... Tu sais... Oh là là, oh là là, mais... Rapprochez-la. Le truc, je me croirais dans Star Wars et tout, tu sais, genre... Ça c'est une blague par contre, à chaque fois j'ai skill qui me prend. Regardez-moi ça, putain, j'ai envie de regarder monsieur. Ah, je peux pas le faire sur le boss? Ah, ça c'est. Ça pue ça, la furie on peut pas le faire sur les boss, ok. Oh, l'esquive de justesse. Ah, c'est le style de combat que je ferai sur Lord of the Fallen, je pense. Même si c'est beaucoup plus simple, je pense que ça va être beaucoup moins orchestré sur Lord of the Fallen. Allez, viens, viens mon petit Glotte, chef des Minotaurs. Oh what? Là j'ai plus de ma race par contre. Bon, le combat reste relativement simple quand on arrive à comprendre le système du boss. C'est pas non plus un truc de ouf, même si des fois il a mis des coups qu'il m'a fait très 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 mal tout à l'heure. D'accord, voilà par exemple là, j'espère qu'il va pas continuer son combo. Ok, ok, nous je trompe dans Trahis. Et mi allemand, mi je ne sais quoi. Mais what the fuck, je peux pas le parer. Voilà par exemple, voilà ça, je comprends pas. Je peux pas le parer. Ah si, ça y est, enfin. Au calme. Je pense qu'il va y avoir une cinématique. Décapitation, s'il te plaît. Yes! Bonne nuit, Thomas. Soldats! Prenez le bélier! Détruisez le géant d'osier!
Salut Oxydo. Regardez les flammes sur le tronc d'arbre et tout, c'est magnifique quoi. Il faut parfois savoir regarder plus loin que ce que l'on voit. Beau travail, Marius. Soldat ! Soldat ! Ne restez pas planté là, espèce de bon à rien! Faites-moi sortir! Faites-moi sortir immédiatement! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui, le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis! C'est un ordre! C'est ta victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche! Viens là, espèce de crétin! Donne-moi ta cape! Donne-moi ta cape! C'est quoi ce gros... Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf, et Osval prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin, et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité de Rome. Et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Salut, la trute. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement. En toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur! Que le roi pose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste. Voici le sceau de l'empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens.
Embrasse-moi. Roi Oswald, voilà ta paix. Non! Comment oses-tu? Espèce de chien galeux! De quel droit? Tu vois? Tu vois ce qui se passe quand on me défie? Personne ne me défie! Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'empereur. Sauve Rome, Marius. Allez! À genoux, chien! Qu'est-ce que vous attendez? J'ai dit à genoux! Ce n'est pas le moment, Boudica. Je suis un dieu! Obéissez-moi! Comme vous obéissez aux dieux! Conduisez-nous au port! Vitalion! Je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles! Et surtout n'épargne personne! Vous allez le payer très cher! Nous tuerons chaque homme! Chaque femme et chaque enfant, et nous cracherons sur vos tombes. Renforcez les murs. Repoussez-les. Vite. Fermez les portes. Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent, compris? Je vais rester ici. Occupez-vous des murs. Marius. Nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi d'entrer le plus longtemps possible. Nous devons emmener tous les civils au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice.